Nous sommes sur un plateau montant. Un peu plus de 20 000 cas positifs diagnostiqués chaque jour, c'est beaucoup. C'est moins que les 50 000 cas de la vague de l'automne que nous avions par jour, mais cela reste à un niveau élevé. Et quand on regarde la tendance, cela augmente d'environ 10% par semaine, en moyenne, depuis 3 semaines. Je le disais, malgré tous nos efforts, les variants circulent activement en France. Au cours du mois de janvier, on estime être passé de quelques 500 patients environ par jour atteints de ces variants, au début du mois de janvier, c'est plus élevé que ce que nous pensions, à plus de 2000 patients par jour atteints de ces variants actuellement. Le fait que ces variants se propagent dans notre pays nous laisse penser que le couvre-feu et l'ensemble des mesures de contrôle en vigueur dans notre pays sont certes utiles, mais probablement pas suffisantes. Ce que nous voulons éviter, c'est une épidémie dans l'épidémie, qui n'est pas encore véritablement visible en France, mais dont tout nous laisse à penser qu'elle sera une réalité très vite et très forte si nous ne faisons rien.